Définitivement, nous obligés pour les États-Unis pour s'allier. Yon zami déguisé. Matin, nous tombé sur un document choc qui prouvait à clair rôle ancienne ambassadrice américaine. Michelle Cizanne jouait dans l'aboutissement assassinat président Jovenel Moïse. Si j'entendais, document prouvait à clair rôle gagné dans l'assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, restez là, document, on pral ouel, on pral expliquer, on pral détailler information au baou et on pral comprendre que toute tentative qu'a faite là par bon côté États-Unis pour marrer moun, pour présenter moun devant juge, etc., etc., tout processus ça, toute procédure ça, c'est pour la galerie. Parce que nèg yo kon sa passé avec Jovenel Moïse. Yo kon pour qui raison, yo kon pour qui cause Jovenel Moïse assassiné. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous plateforme parlant, TAC 509 tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon Éditorial. Je dis en là, m'vin tout fâché. Document qui t'ont choc nan moi. Et c'est sûr que, au même tout, l'or fin réalisé, nan qui piège nous prend en Haïti avec, soi-disant ami d'Haïti, ça, ami de longue date, ça, ou pral ouest, c'est premier ennemi, c'est ennemi numéro un, la République, États-Unis, ça y est. Et faut qu'on comprenne, je dis, c'est nous-mêmes, ensemble, qui pour bataille, pour reconstruire Haïti. Déjà, m'a invité au partage vidéo, et soit regarder là. Pourquoi abonner à la chaîne là? Rapide, vite, courir, fait ça. Nous prenons voir les pays, nous prenons faire débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Avant même de rentrer dans l'émission, bon, grande question. Est-ce que ou quoi est-ce qu'on pensait que réellement États-Unis a bail Jovenel Moïse justice? Est-ce qu'on pensait ça? Est-ce qu'on croit ça tout bon? Pour l'histoire et pour la vérité, jodi an, nous pral chercher qu'on est qui wall ancienne ambassadrice Michelle Cizanne gagné dans aboutissement dans complot pour touyer Jovenel Moïse pour assassiner président pays. Parce que là, nous nous situation côté que en Haïti, système judiciaire là, il pourri, il gâté senti. Juge corrompu, commissaire gouvernement corrompu, greffier corrompu, huissier corrompu. Sans nous pas même parler de ministre de la justice même, et ça sont l'autre dossier. Tellement système judiciaire en lit gâté ou bon exécutif qui pourri pas gagner qu'a marcher en dedans pays. Et bon, m'a fait nous perdre du temps, nous pral parler bagaille qui extrêmement important là. Moi parler nous d'un document qui vin corroborer rôle ambassade américaine gagné dans assassinat Jovenel Moïse. Et ceci dès le départ. On parle depuis qui le nèg yo prépare un coup d'état pour Jovenel Moïse et finalement c'est assassinat Jovenel Moïse yo abouti avec. On regarde. Là on regarde le document, on pas vrai? Ouais, l'écrit à bord le 18 janvier 2021. 18 janvier 2021. Ça c'est même avant et coup d'état raté petit bois. 18 janvier 2021. Et puis, où est Madame Michelle J. Cizanne? Ça, son un courrier yo adressé à Anvel. Ça, son adresse yo fait Anvel. Et puis, en bas, mettez ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Haïti, en ses bureaux de Tabor, Haïti. Madame l'ambassadrice. Oui. Je vous transmets par la présente et à toute fin que de droit, copie d'un mandat d'arrêt émis par le cabinet d'instruction contre le sieur Jovenel Moïse pour son implication présumée dans le massacre de la Saline. Nous voyons qui date 18 janvier 2021. Et qui est-ce qui voyait l'être ça? C'est Maître Mario Beauvoir, qui lui-même, lui voyait l'être là, et puis qui ça le fait, il a annexé mandat d'arrêt à la donne.
Imaginez, massacre la Saline, qui l'a fait? Massacre la Saline, non, l'a fait entre 1er et 13 novembre 2018. Et l'ETSAM, d'où vous voyez, vous voyez 18 janvier 2021. Massacre la Saline, non, fait en 2018. Ou te gagné, juge instruction, Jean-Roger Noël Sius, lui-même qui te font mandat, lui font mandat d'arrêt pour le mettre des Jovenel Moïse, lui fait 18 février 2019. 18 février 2019, massacre la fête en 2018. En 2019, yo mette, jugeant, li fè mandal mette le de Jovenel Moïse, alors que Jovenel Moïse était toujours président en fonction. Et en 2021, 18 janvier 2021, Mario Beauvoir, qui se youn nan avocat qui fait partie de avocat de l'opposition, qui se youn nan opposant politique Jovenel Moïse, contre Jovenel Moïse, li même li adresse lettre là avec ancienne ambassadrice américaine là, yo annexé avec lettre là et wap wè mandat que Noël Sius te mette derrière Jovenel Moïse pour yo faire connait que Jovenel Moïse gen mandat de elle. Et comme si yo notifié yo que yo a privé sur Jovenel Moïse. Et ça pire là, yo dit que tout bagay ça, que ce soit lettre la voye, que ce soit mandat, yo fait sous demande diplomate américain Daniel Whitman. Et pour rappel, Daniel Whitman qui salte, ancien porte-parole ambassade américaine. Donc, vous pouvez comprendre là, que ce soit Jean-Roger Noël Sius qui fait mandat d'arrêt contre Jovenel Moïse en 2019, que ce soit notification, lettre de notification que et Mario Beauvoir li voye by Michel Cizan en 2021, qui dou que c'est ancien diplomate américain Daniel Whitman qui lui-même qui en charge bagay ça, c'est lui-même qui a coordonné tout mouvement ça, ou pral joine même Daniel Whitman ça. Moi pas même moi après puisque tentative coup d'état 7 février dans l'habitation Tibois. Le coup d'état ça a raté. Qui est-ce qui dit qui t'a supporté? Qui est-ce qui dit t'a coordonné? C'est même Daniel Whitman ça. C'est même diplomate américain ça. Donc, comment comprendre tout poisson crasé dans bouillon ça? Faut poser cette question. Pour qui ça? Non, mitan tout bagay ça. Toujours un diplomate américain, toujours gagné des personnalités qui gagnent pour avec ambassade américaine, qui ont même fait partie de monde qui a supporté opposition politique là pour camper en face Jovenel Moïse, pour préparer coup d'état contre Jovenel Moïse, pour mettre mandat derrière Jovenel Moïse. Bien que Daniel Whitman nous ait question et mandat ça, il pas jamais démenti. Il pas jamais démenti, pas en froid pas démenti. Mais étant donné que coup d'état a été raté 7 février, étant donné que arrestation te gen tan fait etc., nous te gon Dimitri Erreur peut-être à l'époque et qui t'a préparé terrain pour 7 juillet. Et puis yo dou Dimitri Erreur de jouer coup d'état et USGPN de jouer coup d'état etc., etc. Ou pral vin jeune Daniel Whitman qui lui-même qui démenti, qui dit que le pas rien pour rien avec opposition politique et il pas gain rien pour avec coup d'état. Mais pas une fois nous pas ouais que ambassade américaine sorti en note, nous pas ouais Michel Cizan ça que nèg opposition politique yo te notifié lettre côté que yo t'a pral arrêter Jovenel Moïse. Ambassade américaine pas sorti aucune note à l'époque pour yo ni contester, pour yo ni rejeter, pour yo ni accuser et comportement ou bien dénoncer comportement monsieur. Pas jamais que bagaille comme ça qui fait. Tout ça c'est pour vous dire, c'est pour qu'a comprendre que depuis 18 février 2019, depuis jour Jean-Roger Noël Sius li rédige mandat d'arrêt ça contre Jovenel Moïse. Depuis jour ça, côté que Mario Beauvoir li notifie ambassadrice américaine là que gon mandat qui paraît pour arrêter Jovenel Moïse, ou pas ouais yo prend recul, ou pas ouais yo dénoncer, ça soit acceptation. Parce que principe là, il est clair, qui ne dit mot constant. Ou pas dit rien dans sa patience, c'est parce que vous d'accord avec elle. Ou pas dénoncer sa patience, c'est parce que vous d'accord avec elle. Ou pas joindre
autorité américaine ou pas un département d'État américain qui ouvre une enquête. Jodi an la, faut que tu aies une enquête qui ouvre pour yo connait pour qui ça Michel Cizène, j'en toujours, li toujours chaud, toujours devant pour la dénoncer, pour la prendre pour la prendre position, pour la prendre des mesures contre et contre institution, contre gouvernement haïtien. Tout dépend de qui ça Jovenel Moïse t'a décidé à l'époque. Ou est Jovenel Moïse, l'elle t'a metté Annie campé qui ça t'a fait. Qui comportement ambassade américaine t'a gagné. Il t'a dit faut que yo démantle Annie, faut que yo rentre des créa etc. Oui, Michel Cizène t'a dit. Donc jodi an la, on groupe nèg qui façon président, on groupe nèg qui campé face avec Jovenel Moïse, alors que Jovenel Moïse encore président, li sous pouvoir, mandat poko fini, yo fait un mandat d'arrêt contre lui, yo notifié li. Comme moun ki di yo zes ami Haïti, comme moun ki di a mené et yo gen de très bonnes relations diplomatiques, a mené une relation diplomatique zami ta de protection avec Haïti et puis c'est comme ça. C'est comme ça, nous bay approbation, nous bay aval nous pour un groupe nèg assassiner président. Bien que bien entendu assassinat Jovenel Moïse, li exécuté en Haïti, yo te besoin des ressortissants haïtiens, yo te besoin des politiciens, des hommes d'affaires, mais assassinat Jovenel Moïse avec ça fin fait là, avec ça nous fin wè là, avec accepte mais ça pi droit là dans là. Nous pas sok sou li en côté que yo accepte l, yo te gen droit refuser lui. Ambassade américaine te gen droit, ou vin avec ou poton lettre pour Michel Cizène. Là li lettre non, yo dou message di. Ou te ka refuser l? Même Michel Cizène ça, bon peut-être si ça arrivait, nous nous situation côté que tout courrier qui vient pour ambassadeur ou supposé recevoir lui, mais le Michel Cizène ta arrivé, l'être arrivé, l'lion bagaille comme ça. L'lion bagaille comme ça puisque l'on veut ou non, c'est des opposants politiques qui voyaient lui, quand même ça a pas tiré attention. Donc là il ta recevoir un bagaille comme ça, pour qui ça ou pas monter ou pas font tweet, ou pas dénoncer. Parce que quelque part, yo bay aval, yo bay approbation, yo cautionner ça fait là. Nous cautionner le fait que on juge d'instruction met un mandat en président, on juge d'instruction choisi participer non ridicule comme ça, on juge d'instruction choisi participer dans assassiner un président comme ça et je dis là l'entière responsabilité doit reposer sous Don Michel Cizène parce que lui-même tout, li ba approbation, lui-même tout, le cautionner ça fait là. Là où elle est ça, qui quantité question qui vient dans tête, qui quantité question pose. Ou pral comprendre, première bagaille, ou doit poser tête question, qui degré implication ambassade américaine gagné. Non, premièrement, dans coup d'état raté 7 février. Parce que ça, son coup d'état, et comme si son amorce lié. Son de cloche, yote bel Jovenel Moïse, pour yon dit, petit range kou, gon bagay ka vini, la pirede. Parce que Jovenel Moïse, ou pral réaliser que pendant tout petit reste mandat là, Jovenel Moïse était tellement attaché avec le pouvoir là, il était tellement attaché par le fait que faut le défier opposition politique là, faut le montrer nèg yo, lui-même l'a fini mandat là, lui-même ça voulait établir en dedans pays comme principe démocratique, comme continuité de l'état, faut qu'il refait élection, faut qu'il refait référendum. Opposition a parlé, ça c'est dans bouche lui-même l'a travail, l'a continuer faire ça rien pour le faire. Donc, yo bal yon amos, yo bal yon coup de cloche, 7 février, yo amorce un coup d'état ça, c'est pas bon dou, c'est coup d'état pas te ka réalisé. Bon, même Dimitri Erreur, ça nèg yo te utilisé pour soi-disant déjouer coup d'état. Nous pensons Dimitri Erreur, li pa yon nan moun ki tap concocté, tap préparé bagay lan. En sérieux, non. Jodi an la, ki opposition politique ki tap fè coup d'état, ki tap mette Dimitri Erreur la dan. Nous sérieux? C'est même nèg yo aujourd'hui pour qui ça non diplomate américain ça? Pour qui ça pas mettre un diplomate français, un diplomate canadien? Pour qui ça c'est Daniel Whitman même alors que Daniel Whitman relation avec et Michel Cizène, relation avec opposition politique là à l'époque, ça c'est du jamais vu.
C'est du jamais vu. Nous trouvons nous dans une situation côté que pour rétablir confiance Jovenel Moïse et non Dimitri Erard, faut que c'est Dimitri Erard même qui t'a déjoué coup d'état et le plus facile pour rat kay manger pas kay son pas connait rien. Son pas ouais. Et c'est moun qui dans Saint Jovenel Moïse même nèg yo t'ai besoin utiliser, nèg yo t'ai besoin contrôler pour aboutir avec coup d'état ça, pour aboutir avec assassinat ça. Jodi, est-ce qu'on comprend ça qui passe là? Comment on va l'expliquer tout? On groupe nèg rentré yo assassiner un président et puis par un policier qui touché, par un policier qui téléphone, par un policier qui riposté. Nous trouvons ça logique? Est-ce que nous pas un dossier assassinat Jovenel Moïse, son dossier qui illogique? Toujours viré, toute question posée, toujours cherché, lui toujours amené avec une autre question, lui toujours amené avec une autre puis son nouveau élément. Nous pas ça, c'est réalité. Jodi, il faut qu'à comprendre que l'être ça accusé de réception ça, lui pral permettre ou comprendre tout bon pour qui ça Michel Cizène, lui t'a choisi à la vacances. Quelques jours avant l'assassinat Jovenel Moïse. Ça veut dire, niveau participation, yo, rôle de passivité, yo, ou bien rôle d'activité, yo, tout, soit le passif ou bien le actif, parce que, gros bagay qui fait pas bon côté, ambassade américaine, li pas besoin gouvernement Biden nan proprement parler parce que toujours on me parler nous de notion deep state ça si gouvernement dans gouvernement c'est nèg yo k'ap contrôler affaire yo des diplomates anciens secrétaires d'état anciens hauts responsables dans administration américaine nan moun sa ou ki toujours gen influence qui gen des intérêts économiques en Haïti qui gen des intérêts géopolitiques en Haïti yo même yo gen bagay yo k'ap contrôler yo gen bagay yo k'ap gérer. À un certain moment pral comprendre que Jovenel Moïse qui assassiné Jovenel Moïse li mouri parce que gen des intérêts qui dépassaient sa Jovenel Moïse te ka proposé sa Jovenel Moïse te ka bay nèg yo. Ou kon rive observe avec un moun la, ou bay moun nan matin midi soir, ou bay moun nan matin midi soir. Mais gon bagay ou besoin pour moun nan ba ou wè moun sa pa ka ba oul. Ki so fait? Ki so fait? Et c'est exactement ça nèg yo fait Jovenel Moïse, yo éliminé Jovenel Moïse pour yo ka gagner ça y a chercher, pour yo ka joindre ça y a chercher et kounye c'est qui est-ce qui a ba yo ça y a chercher? Est-ce que c'est Ariel Henry? Est-ce que c'est clan qui derrière Ariel Henry, qui mettait Ariel Henry sous pouvoir et qui a protégé Ariel Henry? Parce que là, bagay yo pa gen jouet la dan. Bagay yo pa gen plaisante la dan. À un certain moment de la durée, nous tout a dénoncé Jean-Roger Noël Sius qui a le caché col Canada. Moi, m'a posé une question pour qui ça jusqu'à date, Canada, ou bien, comme gouvernement haïtien, ah oui. Bon, toujours clair avec nous, honnête avec nous. Comme autorité haïtienne, yo, nous pas un ministre de la justice, nous pas gagné, regardez, juge d'instruction Gary Aurélien était sous dossier Jovenel Moïse, li pas mandé pour arrêter au général Sius, pour rentrer avec pour venir répondre une question. Alors que c'est lui-même, c'est sous mandat là, yo arrêté. C'est sous mandat là soi-disant yo t'a venir arrêter Jovenel Moïse et puis mêlé. Yo assassiné président. Nous, ça pas intéressé la justice haïtienne. Ça pas intéressé la justice haïtienne que Roger Noël Sius li est caché col Canada là et puis li mettait la République non problème continu. Li mettait nous dans vide institutionnel, li mettait nous dans bataille politique, li mettait nous dans instabilité, plonger pays en un chaos. Et puis gros bagay qui est extrêmement important. Moi-même li le RNDDH en 2018 le massacre la Saline fait RNDDH sorti rapport. Mais dans le rapport RNDDH sorti, je ne sais pas on côté que vous avez dit Jovenel Moïse. Jovenel Moïse te participé dans le massacre de la Saline, non? Je vais défendre Jovenel Moïse. D'ailleurs, il n'est plus. Je vais défendre non Jovenel Moïse. Moi, là pour me dire la vérité. Pour l'histoire et pour la vérité, je ne sais pas côté dans le rapport, vous avez dit Jovenel Moïse complice. Jovenel Moïse coupable. Vous avez longé le web. Sous Fidel, mon chéri. Yo te longe douet et sous Rigaud du plan. Yo te longe douet sous des séries de nèg et des séries de chefs gang en dedans pays. Yo te impliqué dans massacre la Saline. Mais jodi, l'on a gardé
L'op gade nan akuse de réception, nan let sa ke Mario Beauvoir li adresse avec ambassadrice et Michel Cézanne nan. Mais pour qui ça yon fait mention que Jovenel Moïse li gen pouwe avec massacre la Saline nan? Est-ce que nous avons niveau méchanceté nèg yo? Nous avons niveau méchanceté yo pour yon créer instabilité, pour yon créer problème dans la République. C'est pas qu'on est d'ailleurs. Même ambassade américaine yon écrit sous dossier massacre la Saline nan. Par yon fois yon pas fait mention de Jovenel Moïse. Yon toujours mandé Jovenel Moïse pour Jovenel Moïse tenu compte de rapport NDDH, pour tenu compte de note que OPC sorti, Office de protection du citoyen, pour tenu compte de clameur publique là, en façon que monsieur Sao qui fait partie de gouvernement là, pour le mettre à la disposition de la justice. Mais sans pour autant, Michel Cézanne, l'état joint une ambassade américaine accusé de réception bas, etc. Et puis yon pa jam di quoi que ce soit. Jodi an la, c'est même mandat ça 7 juillet qui participait dans l'assassinat Jovenel Moïse. Donc est-ce que l'ambassade américaine n'est pas une question pour le répondre? Est-ce que Michel Cézanne pas une question pour le répondre? Est-ce que jodi an la nous gen autorité, nous gen dirigeant? Est-ce que nous avons des dirigeants qui ont posé les bonnes questions pour chercher qu'on est qui s'est passé, pour chercher qu'on est deux grandes implications? Ambassade américaine, ancienne ambassadrice, ancien diplomate, dans l'assassinat Jovenel Moïse. Y a pas fait parce que y a même tout y a participé là-dedans. Qui dit ambassade américaine, je dis là, ou font flèche, doit direct sous politiciens haïtiens, nous, qui sont pas qu'être sous-sous, pas qu'être sous-financiers. Donc, depuis ces blancs cap by l'ode, depuis ces diplomates cap by l'ode, y a prend l'ode. Il y a 20 pays en j'ai fermé, il suffit que vous ayez un minimum de garantie que vous prenez le président, que vous prenez le premier ministre, et puis tout va bien. Mais non, pas grand cap marché là. Et moi-même, m'oblige à dire nous, m'oblige à dire nous très clairement. Dans le dossier Jovenel Moïse, je dis à m'bay deux moun raison. Après, je finis tomber sous accusé de réception, ça m'bay deux moun raison. Docteur James Joseph, m'bon raison. Et monsieur Valcourt m'a raison parce que deux moun sa yo toujours mettez en doute bonne volonté qui n'est pas bon côté États-Unis pour bay Jovenel Moïse justice. Pour yo c'est juste on faux semblant, c'est pour la galerie, c'est pour la façade, yo moutro gen bagay kap marché, yo moutro gen bonne volonté, yo moutro gen des démarches qu'a fait. Yo a pas arrêté moun, yo a conduit moun devant juge, etc. Mais au fond yo konn sa passé a. Au fond, yon connaît cause qui fait Jovenel Moïse par là, je dis. Hein. Yon connaît les causes même de l'assassinat de Jovenel Moïse. Yon choisit Kembel et peut-être yon Abdou, c'est pour raison d'État. Yon Abdou, c'est pour raison d'État. Et bon, l'autre point qui est extrêmement important dans le dossier Jovenel Moïse encore. Depuis quelques jours là, 2-3 ans, yon Kembel m'coute. Yon connaît Kembel m'coute, yon Kembel m'coute avec une seule question. Comment m'comprenne le fait que Martin Moïse n'y pas jamais parlé alors que Jovenel Moïse li prend position et par rapport avec l'instruction qui pas jamais gagné sous dossier Jovenel Moïse depuis le fin mette Gary Aurélien, Martin pas jamais dit rien. Comment me comprendre ça? Mais je dis bon profiter répondre là tout le monde public là tout comprendre qui ça me penser, tout connait qui ça me penser. Martin Moïse pour moi Martin Moïse li senti impuissant par rapport avec gouvernement haïtien, par rapport avec Ariel Henry, par rapport avec la justice haïtienne, li impuissante. Et il y a mille et une raisons pour le sentir impuissant. Premier bagaille. Ou prend Ariel Henry, jodi an la, qui directement et directement de près, de très près ou bien de loin, qui impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Qui ses amis, qui a une relation avec principal auteur intellectuel assassinat Jovenel Moïse. Qui est-ce qui a contrôlé pays Ariel Henry? Qui est-ce qui a contrôlé gouvernement Ariel Henry? Qui est-ce qui a contrôlé la justice? Peut-être t'as dit tout juge ou t'as dit pouvoir judiciaire son pouvoir indépendant? Mais non, Ariel Henry. Pour qui ça me dit? Pour qui ça me prend courage pour me dire c'est Ariel Henry qui a contrôlé pouvoir judiciaire? Premier bagage. Dernièrement là, nous voyons qui tentative Ariel Henry a fait pour le mettre et 3 juges dans la cour de cassation. Ça, nous parlé sous lui déjà. Ariel Henry n'a pas nul droit. Ariel Henry, c'est pas responsabilité, c'est pas tâche li, c'est pas travail li, mais nous voyons la pote bourré dans la cour de cassation. Ariel Henry, je dis, li impliqué dans le dossier assassinat Jovenel Moïse.
Ou est gagné yon indifférence totale avec dossier par rapport avec sentiment ça avec attente que population gagne pour Ariel Henry tal mette à la disposition de la justice pour la répondre question pour tout monde ta connaît est-ce que oui ou non li gen relation avec Badjo qui relation li gen a Badjo qui ça t'a dit avec Badjo ou Ariel bagaille comme ça li pas dans tête li et ou poko jam jwenn un juge d'instruction qui prend dossier ça qui armé au de courage pour dou pral rele Ariel pour dou yo pral rele l'autre monde clameur public a dénoncé l'autre monde qui gagne relation direct indirect avec des séries de monde qui gagne pour avec assassinat Jovenel Moïse. Donc dites tout bien. Martin Moïse qui ça a été fait? L'hypothèse plainte formelle oui. L'hypothèse plainte formelle oui contre Ariel Henry. Donc s'il porte plainte contre Ariel Henry, posez toute question pour qui ça Gary Aurélien pas prendre toute mesure pour te convoquer Ariel Henry. Pour te reler Ariel Henry, faire Ariel Henry venir devant, aller chercher le potel bon moi pour venir répondre une question. Non, bah y a pas de jouet là-dedans. La justice pas de jouet là-dedans. Si parti civil là, Martin Moïse, Jovenel Moïse avec l'autre deux et monsieur Damzayo, yo porté plainte de manière formelle contre Ariel Henry. Wall juge d'instruction, c'est enquêter, wall juge d'instruction, c'est reler Ariel Henry questionner pour chercher faille, pour chercher indice, et s'il le faut, mettez-le en côté pour la réfléchir pour machine pas frapper. Mais non, nous n'avons pas de aucun intérêt par bon côté cabinet d'instruction, pas de aucun intérêt par bon côté Gary Aurélien pour le faire travailler convenablement. Mais plutôt, c'est cause de corruption, c'est cause de mandé machine, c'est cause de prendre l'argent, c'est ça qui t'intéresse, nègre. A parler, a parler dans marron, kounia. A parler dans marron. Sauf fait c'est loué, sauf fait c'est loué. Quand y a Martin Moïse, il fait silence parce que en Haïti pas gagne rien qu'à régler là et il est conscient que pas gagne rien qu'à régler. Il faut que nous conscient tout pas gagne rien qu'à régler. Si Ariel contrôle tout pouvoir l'état yo. Si Ariel en rien influent, il gagne contrôle tout pouvoir, il gagne contrôle tout petit détail. Donc pour qui ça pour perdre temps là. Li met bouquet parler, li met bouquet fait action, li met bouquet et fait sommation, etc. Pas grand rien qu'à régler parce que c'est temps perdu lié. Maintenant, ou ap dit tout au niveau international, pas bon côté États-Unis, qui présence Martin Moïse, qui présence, comment la participer dans le dossier, dans l'enquête, etc. Mais bon, jusqu'à date aux États-Unis, nous pouvons jamais entendre yon nan moun sa yo qui c'est. Qui c'est pro Jovenel Moïse, que le petit, que le madame, qui rentre dans le procès. Non, bon, comme pour un procès, mais qui d'où yon pote plainte de manière formelle, tout non. Pour un bagay ça. Par quoi un bagay ça? Donc, là, c'est Rodolphe face avec gouvernement américain. C'est Marion Antonio Palacios Palacios face avec gouvernement américain. C'est Pral John Joel Joseph face avec gouvernement américain. Si yota, si on arrive avec Sami Andal, on a extradé la sorte la Turquie rentre avec l'États-Unis, c'est Sami Andal face avec États-Unis. Donc, pour un pile l'exaïe, nous avons une incertitude. Surtout Sami Andal. Parce que Sami Andal, côté de l'États-Unis, il a quitté l'allée. Donc, on peut comprendre très mal, je dis là, pour avoir même encore, il a fait 6 mois grisables, il a pris lui, il a pris l'extradé, pour le prendre, pour le juger, etc. Donc, comprenez, Kounia, CTU, qui ça va faire à CTU? Qui ça a fait avec Ndriago? Est-ce que au niveau des États-Unis, est-ce que CTU fait maintenant au moment où on a parlé à là? CTU fait continuer à fonctionner. CTU fait carrière fonctionner. Alors que côté complot Jovenel Moïse a planifié, CTU. Côté l'argent financement sorti, CTU. Donc on peut dire que il y a une bonne volonté vraiment. On peut dire que les États-Unis sont sur route pour ben Jovenel Moïse justice. Gros bagay qui a tiré m'jodian là encore. Jodian c'est m'tan kou on lèman. Tellement gen m'a fouye, m'a fait des travail de recherche, m'a cherché information pour m'ba nou. M'tombe sous constitution 1950 là. Côté que à l'époque t'es gagné peine de mort. Jodian, est-ce que yon pas ta supposé rétabli la peine de mort en Haïti? Article là t'es clair. Article 18 Constitution 1950 là, m'a venu avec pour nous. N'a pas gardé là, l'idou, la peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour crime de trahison. Le crime de trahison,
consiste pour l'Haïtien à participer à une action armée d'un État étranger contre la République d'Haïti, à se joindre à cet État ou à lui prêter appui et secours. Donc, ou imaginons-nous en 1950 là? Ou imaginons tout nexario que le politicien, ou imaginons que le Dimitri Erreur, ou imaginons aujourd'hui un genre qui a l'air battre col là pour ses bourriques. Des séries de nèg qui participaient, qui impliquaient dans le dossier Jovenel Moïse. Nous, comme côté, vous avez bien, tape sous place publique pour yo prendre un sac réservé pour yo. Vous tape sous place publique, les comme ça, militaires tape derrière yo. Yo campé sur une place publique et puis yo vide des balles yo fusillé yo. Parce que à l'époque en 1950 t'es gagné peine de mort pour crime de trahison. Ça son crime de haute trahison mon cher. Nous participer à assassiner président des Haïtiens, président nous pays nous admettre de manière consciente pour nous violer les souverainetés pays nous, pour nous violer l'intégrité territoire nous au profit de petit groupe. Moi franchement faut que nous fassions un plaidoyer en Haïti pour rétablir la peine de mort. Que ce soit dans la cause de kidnapping, dans la cause d'insécurité, que ce soit dans la cause de crime de haute trahison dans le pays, que ce soit dans la cause de corruption, au niveau de l'argent, nous avons volé dans le pays. Ah non. Faut que nous punions. Quand nous avons pris une vie, et le droit à la vie. Oui, le droit à la vie. Et nous avons et citoyen qui kidnappé. Parle pas gen kòb, parle pa pleve loul, pa pleve leje. Li pa gen kòb pou le paye rançon et puis yo tue petit liyan. Petit liyan pa gen droit à la vie? Pose tête question. Kidnapper ça qui fait action, li même li gen droit à la vie et puis petit moun yo tue pa gen droit à la vie? Jovenel Moïse yo rentre 7 juillet yo assassiner la kay liyan. Li pa gen droit à la vie? Donc c'est assassin aujourd'hui hein, yo a bien passé dans prison. Ça cause États-Unis, ça qu'en Haïti, jodi an là, yo gen la vie, yo vivant. Peut-être que Jovenel Moïse il était dans prison, il était vivant, il t'a satisfait. Martin t'a satisfait, petite li t'a satisfait. Pour Jean moi Jovenel, à chaque occasion le songe papa ah bah la dû, il t'a satisfait pour t'aller papa dans pénitencier plutôt. Donc on prend réalité hein, jodi est-ce que lui même il pas droit à la vie tout. C'est pas seulement Jovenel Moïse, ils ont pas quelques moun en dedans pays hein, qui tombé en bas l'assassin. Qui victime de l'insécurité, yon pa gen droit à la vie. Bandit touye yo, yon fait carré ap simen la tout bay. Yon fait carré ap fait mal. Yon fait carré ap simen de faire moun kriye. Donc c'est yon même qui gen droit à la vie. Il faut rétablir la peine de mort. Si c'est ça pour bay peuple haïtien, on ti souffre. Je dis que les États-Unis, que la France, que le Canada, kap vini faire plaidoyer là pour dou que, question peine de mort, le padre rétabli, faut que nous abolissions. Nous avons choisi de venir avec. Nous avons choisi de retourner avec. Nous, grand monde, nous avons une constitution, c'est nous qui faisons la constitution, et c'est symbole. C'est symbole souveraineté nous lié. C'est symbole, ça nous vive. C'est symbole, ça nous voulait, le doit refléter. Je dis, c'est nous qui ça nous voulait pour payer. Nous, c'est pas monde qui peut venir aux États-Unis, qui est quelque état là. Qui est quelque état. Peine de mort, elle est toujours en vigueur, elle est toujours d'application. Donc, puis, gars, moun vin, dit nous comment pour nous conduire pays nous, comment pour nous mener pays nous, alors que la caillou, tout baga a réglé. Tout baga a marché bien. Prends ti haïtien, prends petit tout. Ma pou fon ti parenthèse bien rapide là. Ou font petit, ou c'est haïtien, ou vivre États-Unis, ou font petit. Petit là, l'Amérique, ma gen problème. Qui te dépasse les bonnes, qui te la viole loi, la bagaille là. Yo a oublié si c'est États-Unis le fait. Y a oublié si te gen passeport américain, oui, puis pimpel, puis flanke l'Haïti. Y a tourné l'Haïti. Parce que c'est la racine ni mari, c'est la racine ou mari. Donc, c'est ou même qui pou konn sa vle pour la caillou, c'est ou même qui pou konn sa vle pour payou. C'est ou même qui pou préparer avenir et moun ka vin derrière yo. C'est ou même qui pou préparer prospérité yo. Prospérité c'est ou pou préparer. Vous comprenez? Donc, pa gen moun, faut que nous commencer réveiller nous là, faut que nous commencer mettre idée révolutionnaire dans tête nous. Pour nous dire c'est fini, nous ne pouvons pas prendre l'autre dans mes mounes. Parce que ça nous est là, il doit commencer à révolter conscience nous. Ça nous est là, à côté de jour, nous avons le plus près possible diplomate américain, ambassade américaine, ancien diplomate. Ils ont tout là-dedans, ils ont tout connu Jovenel Moïse, après l'assassiner, ils ont tout connu que après le tuer Jovenel Moïse, ils ont accepté, ils ont approuvé, ils ont cautionné, et puis aujourd'hui, là, ils ont voulu venir d'où, et sécurité paysan, problème de sécurité, ils ont géré, ils ont géré, depuis qu'il est.
Bon, nous ba aval, nous ba aval nous pour tout un président et puis n'a gérer sécurité la caille nous encore. N'a vinn gérer bandi, n'a gérer gang, zam ap sot la caille nous rentrer en Haïti n'a pèden gérer, n'a pèden PNH. Ouais mon cher, zami déguisé ça yo. Zami déguisé ça yo. Faut nous fin avec. Faut nous fin avec modèle moun ça yo. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal qui permettent d'allonger peine ou balle longue ou vle pour mon ouvle. Gains bandes si on comprimé qui permettent de bon gens en dirant sexuel. Wow! Pour plus d'informations, relève dans 514-886-9776. Ou bien, visitez site là, www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mat gen zouti à comprimer gen bon, mesdames, c'est mariage seulement y'a mandim. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, où est bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, de chez Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. Oh yeah.